Bonjour à toutes et à tous. Pour réussir un projet professionnel, l'élément le plus important, au-delà des compétences, au-delà du savoir-faire, c'est à la fois le désir profond d'être dans ce métier, l'amour qu'on a pour ce métier et l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça parle de votre légitimité, de la confiance que vous avez en vous, de votre persuasion à l'intérieur de vous que vous êtes la bonne personne à la bonne place et que vous avez transformé la vie des gens. Alors, dans la conférence du WED Challenge 2020, à laquelle j'ai le plaisir encore cette année d'être conviée pour vous apporter le plus d'échanges de valeur, je vais vous parler des clés de la réussite. Des clés qui sont à la fois dans la tête, qui sont dans les compétences, et je vais vous apporter énormément d'astuces, et notamment je vais vous faire travailler sur quelque chose de très puissant qui s'appelle l'ikigai. Donc, je vous invite cette année encore à venir me rejoindre, nous rejoindre, pour que vous puissiez, à l'issue de cette conférence, de toutes ces conférences du WED Challenge, avoir toutes les clés, l'état d'esprit, la puissance intérieure, l'alignement, la confiance et le désir de réussir votre projet. Donc moi, je suis Edith Lassia. C'est la troisième année que je viens au WED Challenge. La première année, j'étais en challenger. J'ai pu observer la qualité de ce qui était donné, vous rencontrer toutes. Et je suis venue l'an dernier comme conférencière. Et cette année, ça va être différent. Ce que je vais vous apporter sera plus orienté business, mais toujours le business à travers le cœur, le désir, la puissance, l'intention. Là, une des raisons pour lesquelles j'adore venir au WED Challenge, c'est que au-delà du fait que je suis une femme à l'origine de marketing, dans mon côté corporate, j'étais 20 ans dans le marketing du luxe, j'étais chez Cartier Saint-Laurent, je suis aussi thérapeute, je suis artiste et créative, et je sais que dans cet univers du mariage, c'est un peu tout ça. On parle de beau, on parle de créativité, mais surtout, on parle d'amour. Or, une de mes singularités, c'est que j'ai créé des programmes sur l'amour. Je suis descendante de lignée d'amoureuses et j'ai créé plusieurs programmes en ligne et j'anime des conférences sur l'amour. C'est un sujet que je connais bien. D'ailleurs, j'ai été cette année chargée par une de vous, une wedding planner, qui se mariait à titre vraiment amical d'être l'officiante de cérémonie laïque. Et j'ai encore pu observer de l'intérieur la qualité de ce qui fait votre métier. Donc, je vous invite à nous rejoindre, WED Challenge, Hôtel du Faro 2020. Je vais vous apporter de l'or, comme d'habitude, parce que l'or, c'est ce que vous avez en vous, qu'on va aller aussi rechercher. Donc, rejoignez-nous, rejoignez-moi, et à bientôt à Marseille. Ciao !